Et dimanche, chacun a son église. Ils viennent seulement pour compris pour eux, pour les requêtes, maladies, problèmes, mais ils ont leurs églises. Ça, ce n'est pas un ministère. Ça, ce n'est pas un kichunde. C'est une église qui prépare les gens pour l'enlèvement. La parole est d'abord, les autres choses après. Et nous devons nous rassurer que tout marche selon l'ordre de la Bible. Alors pourquoi le sujet d'aujourd'hui? Le sujet qui dit comment ranimer les dons qui sont dans toi pour cette année. Là, je ne m'adresse plus maintenant à la salle des dons. Je m'adresse à chacun. Dieu a placé certaines choses dans les croyants comme des dons qu'il doit utiliser pour le royaume de Dieu. Chacun doit avoir des dons. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont censés avoir des dons. Mais quel don? Je vais les énumérer ici. Je vais vous les montrer. Après, je vais vous demander, parmi ces dons, lequel tu as toujours? Tu vas dire ça, ça, ça. Mais la question c'est celle-ci. Comment les réanimer? Comment chauffer ces choses bonnes qui sont cachées dans les croyants, qui doivent être mises au service de Dieu? Comment les ranimer? C'est ça la prédication de ce matin. Nous allons voir que si vous avez réellement le Saint-Esprit, il doit y avoir quelque chose dans vous. Ce n'est plus les serviteurs seulement. C'est chacun de nous. Alors, cette année, si nous avons juré devant Dieu la fois passée, à la fin de l'année, à la fin de l'année, au début de l'année, même cette année, nous avons juré devant le Seigneur. Zéro adultère. Zéro péché. Nous devons maintenir cette ligne. Mais si nous avons dit que cette année qui commence doit nous donner la capacité de mieux nous rapprocher de Dieu, nous devons aussi ranimer les choses qui sont dans nous. Chacun a des choses qui sont cachées dans lui. Et ces choses-là peuvent y être sans que tu ne les saches. Et ça peut y être quand tu le sais. Mais il faut savoir comment les manager. Et voilà, c'est ce que je vais prêcher. Après, on va consacrer les vases. Et vous allez rentrer à la maison. Nous, nous resterons en train de prier pour les malades. Recevoir les gens qui voudraient avoir les rendez-vous avec les serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Question réponse 16 mai 54. Cita mwezi wa 5 makumi tano na ine. 16 mai 54 paragraphe 46. D'accord. Eh bien, Vema. Voici le dernier message là-dessus. Écoutez mes amis, regardez tous de ce côté. Vous avez ces dons. Vous ne les avez pas mérités. C'est Dieu qui vous les a donnés
Avant la fondation du monde, ils sont à vous. Quand vous êtes né dans ce monde, vous êtes né avec. Ranimez ce don-là qui est en toi. Voyez, vous êtes né avec ces choses. Vous ne pouvez pas vous faire croire quelqu'un. Je ne peux pas faire que mes yeux soient bruns. Hakuna niwezalo fanya ili mambo macho yangu yawe mekundu. Car ils sont bleus. Wakati ni ya blue. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Nani kati yenu kwa kunungunika yake aweza ongeza hata kimo kidogo kwa urefu wa kimo chake? Tout cela est dans le programme divin de Dieu. Hayo yote yamo katika mpango wa Mungu. Si je cherchais à devenir monsieur Sankey, kama ningetafuta kutafuta niwe mtu Sankey ou Finney, ao Fini, quelque bien que bien cela me procure-t-il? Sasa hayo yatanifalia mema gani? Impossible. Haiwezekani. Dieu a eu un Sankey. Mungu ana alikuwa kana Sankey akamtumikisha. Il a eu un Finney. Akawa na Finney moja. Je suis William Branham. Mimi niko William Branham. Vous êtes wewe uko je ne sais qui. Uko kile senye tu. Maintenant, sasa regardez. Sasa si vous prenez ce don ukitoa karama hizo que vous avez unazo et que vous les utilisez correctement na uzitumikishe vizuri et en ordre dans l'église, uzitumikishe kwa utaratibu kanisani, cette petite église grandira comme tout. C'est vrai. Kanisa hili ndogo litakoma kama kwa yote. Mais lakini quand vous entrez vous-même dans la chair, wewe mwenyewe sasa uingia hapo katika mwili, ukiingia mkimwili, mwili vous la déchirez, vous déchirez l'église, una bomoa na kupasua kanisa. Tant qu'il y aura une église ici, wakati wote kanisa litakuwa, c'est tout à fait vrai. Hiyo ni kweli. Maintenant sasa, ai-je clairement expliqué cela? Nimefasilia ya kutosha. Est-ce que mumesikia? Uh-huh. Pukama hizi karama Dion zenye kila mtu iko nazo, tungezitumikisha vizuri na kwa utaratibu, Dion hili kanisa litainuka. Uh-huh. Na litakuwa kitu cha nguvu sana. Dion, Dion. Me tukizitia mo kimwili tutalibomola. Ndio. Bahubiri bapande kumimbari kimwili. Batanza ubiri vya kimwili. Batalibomola kanisa hili. Amina, amina. Batu bakarama manze tumikishwa kimwili. Mm-hmm. Batalibomola kanisa. Ndiyo, ndiyo. Amen. Amen. Utakuko na probleme na mtu wale unamuregle makonte kumimbari. Twa, 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 twa. Mina mukomesha kumimbari. Yes. Kumbe mulikufia franga. Mungu baba. Utakulisha tamania kafie kabatu nakambia. Mungu alinambia we njo bibi yangu. Ambo. Kumbe ulimutamania. Yo. Kimwili. Ndiyo. Utakulisha kwa mukrize unambia mtu aseme Mungu alinambia unipe franga za buchuruzi. Na kisha sikia jina la Mungu na lwenye alikuwa na kumkandara analuchomola na kupa. Unaenda homba. Sababu ya kuogopa Mungu. Mungu atakwambia atakupa franga na ni Mungu alikutuma zina homba. Hapana. Eh? Hapana. Utakulisha chukia mtu unasema sema Bwana hautaishi mwaka. Ehe. Kumbe ni kumchukia. Na unaenda kuomba Mungu, Mungu bitimia kufe. Mungu bitimia kufe kwa msaba yeye kama nilitumikia. Mungu baba. Kimwili. Ndio. Bala! Amen. Bala! No. Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Mena regardez. Sasa tazameni. Si vous prenez ce don. Muka toi karama hizo. Que vous avez. Munazo. Et que vous les utilisez correctement. Na mukizitumikisha vizuri. Et en ordre dans l'église. Kwa utaratibu kanisani. Cette petite église grandira comme tout. Kanisa ndogo hili tunalo litakoma. Lakini quand vous entrez vous-même dans le charnel, donc dans la chair. Ninyi wenyewe sasa mkiingia mkimwili. Vous la déchirez. Munalipasua. Tant qu'il y aura une église ici. Wakati kanisa litakuwa hapa. C'est tout à fait vrai.
Ni kweli kabisa. Maintenant, sasa, ai-je clairement expliqué cela? Je, nimefasilia kwa uwazi jambo hilo? J'espère. Natumaini. Sinon, la siyo, s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, ikiwa kuna swali ambalo sikujibia, faites-le moi savoir. Muni julishe nalo. Je serai content de le faire. Nitafurahi kuirudilia tena. C'est lorsque le frère répondait aux questions et aux réponses. Ni wakati mjumbe Branham alikuwa akijibu kwa maswali na majibu. Donc voilà. Ni hiyo. Voilà. Ni hayo kabisa. Attention. Angalisho. Les églises sont à un niveau où on ne peut plus les garder facilement. Makanisa yamekuwa kwa hali mbaya ambayo hawezi tena kuya kuya ongoza. Donc les gens n'ont pas peur de l'ainsi dit le Seigneur. Watu haogopi tena kusema kwa jina la Bwana. Non, non. Hapana. Dieu m'a dit. Wanasema Mungu alisema. Dieu m'a dit. Mungu aliniambia. Mungu wa wapi? Dieu m'a dit. Eti Mungu aliniambia. C'est pourquoi je dis ceci. Même si l'église est en plein culte aujourd'hui. Sorry. Si l'église est en plein culte comme ça. Kama iba, kanisa liko muibada hivi. Et que tu sentais quelque chose. Na usikie kitu. Je ne veux pas t'éteindre. Sita kunyamanzisha. Tu peux même noter ça. Waweza ukaiandike. Après le culte. Nyuma ya ibada. Tu dis aux serviteurs. Unaendea watumishi. Quand on prêchait, j'ai senti ça. Wakati walikuwa wakihubiri nilisikia. Il faut noter. Wataandika. S'ils trouvent que c'est ça, wakikuta kwamba ils vont dire Dieu nous a dit. Mungu alituambia. Si ce n'est pas ça, wakikuta haiko hiyo, ce sera entre toi et le ministre à qui tu as dit. Itakuwa kati yako na mtumishi uliyeambia. Il t'imposera les mains là-bas à toi et lui. Atakuwekea mikono wewe na yeye. Ça ne viendra plus devant les gens parce que tu n'as pas dit ça devant les gens. Habitakuwa hadharani sababu haukuitosha hadharani. Mais quand nous voulons impressionner les gens, lakini wakati tunataka tuvutie watu. Qu'on sache que moi aussi Dieu me parle. Kamba waelewe ya kwamba na mimi Mungu ananisemesha. Parakashara, 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 parakashara. Eh, paratasamola e kamoki. Matthieu 32 verset 49. Eh, Matayo 32 sura ya 49. On peut vérifier Matthieu là n'existe pas. Watumishi wanapochunguza sehemu hiyo alisema haiko mu Biblia. Ainsi dit le Seigneur, va en dessous de ton lit, on y a placé du poison. On balaye tout le lit, il n'y a rien. Hivi asema Bwana, angalia chini ya mzigo wako wameweka ulozi. Kwenda kuchunguza hakuna chochote. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Et on balaye, il n'y a rien. Na hata wanafagia hawaone lolote. Au cas où on a prié, c'est parti. Anajinunua kwa kusema, wakati tuliomba ilitoweka. Non. Apana. Le premier don, karama ya kwanza, c'est la prédication. Ni mahubiri. Les gens qui gèrent les dons, ce sont les ministres. Wanaochunguza karama ni watumishi. Quand les dons commencent à conduire l'église, wakati karama zinaanza ongoza kanisa, et que les ministres suivent les dons, watumishi nao wafuate karama. L'église tombe. Kanisa litaanguka. Ce sont les ministres qui conduisent les dons. Watumishi ndio waongozao karama. Ceux qui détiennent l'arche. Ni wao wanaoshika sanduku. Qui connaissent la parole. Ni wao wanajua neno. Qui peuvent juger les dons. Ni wao wanaweza hukumu karama. Ce sont eux les gens qui doivent conduire. Ni watu wanaopaswa ongoza karama, si karama za kuongoza watu. Donc quelque chose peut fonctionner, je dis je refuse. Kuna kitu kinachoweza tumika mkarama, mchungaji anasema nakata. Je dis non. Nasema pana. Je dis non. Nitasema pana. Oh le Seigneur dit que tu ne voyages pas, je dis frère voyage. Mtu atasema Bwana anasema ndugu usisafiri. Mimi ninasema safiri. C'est tout. Mwisho pale. Voyage. Oh, on n'a pas respecté ce que Dieu a dit. Utasirika na kusema watumishi hawakuheshimia ujumbe nilimletea. C'est pas à toi de défendre ton don. Si c'est Dieu, il se défend. Utetea karama. Acha Mungu ajiteteye. Frère Branham dit les dons ne doivent pas avoir un sort confus. Mjumbe Branham anasema kuwa karama hazipaswi kuleta sauti isiyosikika vizuri. Même frère Paul le dit. Hata ndugu Paul anasema que si y a un son confus, tout le monde est dans la confusion. Ya kuwa kukiwa sauti isiyoelekeka vizuri watu wote watachanganyikiwa. Ça doit être clair. Yabidi mambo yawe wazi. Clair. Wazi kabisa. Frère, hier tu as péché. Ni kwamba iseme ndugu jana ulitenda. Essaye de réfléchir, hier tu as péché. Jaribu kuwaza jana ulitenda. Hier tu as péché. Jana ulifanya dhambi. Hier tu as péché. Jana ulitenda dhambi.
Hier tu as péché. Jana ulitenda zambi. Mais Dieu qui te dit que j'ai péché? Mais qu'il te dise si j'ai péché quoi? Sasa kama Mungu alikuambia nilitenda zambi, akwambie zambi gani nilifanya? Oh, on t'avait empoisonné. Eh, bali kulogaka. On t'avait jeté des choses. Bali kutupia na vitu. Le même Dieu qui te montre comment jeter des choses. Mais comment il te montre ma comment je serai guéri? Ule Mungu anayekuonyesha namna nilitupiwa vitu. Mbona hakuambia na namna nitakavyopona? Les prophètes d'aujourd'hui, manabii wa leo, ils vous montrent les problèmes mais ils ne vous montrent pas les solutions. Wanakuonyesha njo shida, hawakuonyesha namna kutoka katika shida. Mais c'est Dieu qui découvre comment avait jeté des choses. Ule Mungu ambaye ametambua kwamba nilitupiwa na vitu. Mais pourquoi il ne te montre pas na comment je serai guéri? Kwa nini sasa haonyeshe namna nitakavyopona? Donc c'est un Dieu qui doit découvrir les problèmes, qui doit découvrir les problèmes, mais qui ne doit pas montrer aux gens comment les problèmes vont quitter. Afiche watu namna watatoka mwazile shida. Hein? Hein? Non. Apana. Quand c'est Dieu, quand c'est Dieu, il vient m'aider. Il va m'aider. Atanisaidia. Dieu ne doit pas me placer dans la confusion. Mungu hata nitia mwasiwasi. Tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème. Kunambia, una shida, una shida. Tu as un problème dans votre foyer. Una shida katika jamaa yako. Qui n'a pas de problème dans le foyer? Nani mwenye hakwake na shida mjamaa yake? Tu as une requête pour laquelle tu pries. Uko na hitaji yenyu kunaombea. Mais moi j'en ai plusieurs. Hitaji ziko chungu nzima. C'est comme ça qu'ils sont en train de vous rencontrer même au marché. Fille. Dieu m'a dit que tu es en train de prier pour avoir un époux. Ya kwamba uko naomba Mungu akupe mchumba. Msika gani mwenye hawezi omba pate mwanaume? Quelle fille ne peut pas prier pour avoir un époux? Binti gani mzima mwenye hawezi omba Mungu akupe mchumba? Oui. On m'a discerné. Ndio walinipambanua. Mais, lakini, quelle fille non mariée n'a pas cette requête? Binti gani musika gani muzima mwenye hitaji yake haiko kwamba aolewe. Monsieur. Bwana. Stop, Dieu m'a dit. Mungu alinambia. Dans votre foyer, vous avez un problème. Katika unyumba wenu una shida. Oui. Ndiyo. Oui. Mais, tout homme marié ici, si je lui demandais, il a un problème. Wandugu wapenzi, nadhani kila mume mwenye kuoa anazo shida nyingi. Ayez du courage, dites-lui. Uwe tu nabidi mwambie. Quel est le problème que Dieu vous a montré? Mtumishi wa Bwana, shida gani ambayo Mungu alikuonyesha? J'en ai beaucoup. Mimi nazo nyingi. Dites-moi celui que Dieu. Pas dans l'impolitesse, dans l'obéissance. Katika adabu na heshima, usimkosee adabu. Mwambie tu, niambie mshida zenye niko nazo ya wapi Mungu alikuambia. Je l'ai rencontré, il m'a dit que je vais mourir cette année. Utaenda ukikupa, aliniambia kwamba nitakufa. Il m'a donné son numéro de téléphone. Na alinipa namba yake ya simu. Que je le cherche. Ya kwamba nimtafute. Tu sais ce qu'il veut? Wajua yenye anataka. Franga. Luguma, lupemba. Parce que quand tu vas les téléphoner, Sadaka ya ukingo, l'offrande de la protection. Moi, je n'ai jamais demandé ça depuis que je suis à l'émissaire pendant plus de 25 ans. Mimi si ambaka sadaka ya ukingo, miaka makumi na tano zaidi ninahudumia. Sadaka ya ukingo. Iliandikwa wapi mumandiko? Et tu dis, j'ai 20 dollars. Non. Une prière comme ça, il faut 45 dollars. Wewe utasema, Baba, mbona nina dola makumi mbili? Hapana. Jibu kwa hii shida inaomba dola makumi tano Bwana. Ukingo. La protection. Non, ukingo. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Yesu alisema, mulipewa bure, toweni bure. Amen. Amina. C'est comme ça que vous les trouverez dans des bateaux avec des enveloppes. Ni hivyo mtawakuta hata katika mashua. Quelqu'un entre dans le bateau Emmanuel, il n'a pas de billet. Mtu anaingia katika mashua Emmanuel hana tiketi. Il prêche. Il prêche. Anahubiri tu. Alors les gens qui ont le commerce de 5000 dollars enveloppe. Watu wenye kuwa na shida za dola 1500 bahasha hii. Prière de 1 dollar. Maombi ya dola moja. On met dedans. Prière de 5 dollars. Maombi ya dola 5 on met dedans. Prière de 10 dollars.
Bon, qui a besoin d'une prière de 100 dollars? Nani anahaja maombi ya dola mia moja? Il rafle les enveloppes. Anakusanya bahasha. Seigneur Jésus Christ. Eti kwa jina Yesu Christ. Merci. Mais ça c'est quoi? Ah, asante Mungu. Nini hiyo? Ça c'est de l'escroquerie. Hiyo ni ukorofi mtupu. Et à aucun moment nous enverrons nos évangélistes comme ça. Tu es évangéliste d'El Bethel, nous te donnons le ticket aller, retour, séjour. Ton transport et ton ticket, ton argent prend fin. Tu rentres, on t'envoie. Mais on ne peut pas envoyer nos ministres pour aller commander sur la rue. Ukiwa mwinjilisti wa kanisa hili, tutakupea pesa za tiketi ya kwenda na kurudi na za chakula yako zinapokwisha unarudi. Si yana pas, si yana pas, na kama haziko, on ne t'envoie pas. Hatuwezi kukutuma. Si tu veux aller par tes moyens, tu pars. Na ukitaka enda kwa pesa zako wende, bali hatukutuma kuombaomba pesa. Je reçois des téléphones. Je reçois des téléphones. Napokea simu. Quand les gens voient de l'église, oh pasteur, moi je suis à Lubumbashi, je suis à telle part, est-ce que tu peux permettre que je vienne évangéliser chez vous? Watu waonapo kanisa hili mara wananitumia simu na kuniuliza, "Elo mchungaji, mimi ni mtumishi toka Lubumbashi, je waweza kanitumia tiketi ili kwamba nije nihudumie huko kwako?" Je leur dis, mimi nawaambia, "Quand tu auras ton ticket aller-retour, utakapokuwa na tiketi yako ya kuja na kurudi, quand ton église te donnera le ticket aller-retour, kanisa lako litakapokupa tiketi ya kwenda na kurudi, et l'argent de l'hôtel, na pesa za hoteli, viens." Kuja. Parce qu'il va, il va prendre la dette de 1000 dollars pour venir. Mana atachukua deni ya dola 1000 kwa kuja. Il va arriver. Anapofika, oh frère, tu vois. Atasema unaona. Pour venir. Kwa kufika hapa, il a fallu que je prenne la dette de 400 dollars. Nigarimu nichukue deni ya dola 400. Je dois rentrer encore par avion. Inabidi nirudie kwa ndege. Mon épouse venait fraîchement de l'hôpital. Mke wangu alikuwa ametoka muuzazi. C'est alors que nous allons commencer à faire passer. Bon, qui veut aider l'évangéliste? Qui veut mettre mukikapu? Mie pete si aziombe azangu ndazi mombea. Mushakona mina kongola franga hapa. Mushakona mina bapicha mukikapu hapa seme muniuzie carburant. Never, never. Kamwe. Paulo anasema watumishi wasilemeye kanisa. Amen. Je n'ai jamais été un bagage pour vous. Mimi si yakuwa mzigo kwenu. Et je ne peux pas mener quelqu'un. Na sitaitika mtu akuje. Pour que tu vendes ton salon. Ili uzishe salon ya kwako. Pour qu'on le fasse voyager. Ili kwamba usafirishe mhubiri. Alors que tu ne le connais pas. Ingalau na ulikuwa haumjui. Il y a même ceux qui viennent étant excommuniés chez eux. Munajua na kuna wenye wanafikaka hapa kumbe na walitengwa kwenye wanatoka. D'autres abandonnent leurs femmes. Wengine wanatoroka wake zao. Ils voient l'évangélisation. Eti wanaenda kuhubiri. Un homme marié qui fera 2 ans dans l'évangélisation. Mtu mwenye kuoa anaenda fanya miaka 2 mushamba la injili. Depuis qu'il a quitté le Kasai, tangu alitokaka Kasai, il doit terminer à Kinshasa. Amalizie Kinshasa. 2 ans. Miaka 2. Hana mwili kweli. Bandugu wapenzi. Il n'a pas de corps. Marié. Na naoa. Ni towashi. C'est un eunuque, comme tu dis. Manake wa vile na nitowashi. Il a été castré, disons. Nous avons besoin. Vous êtes ministre avec nous. Vous avez les dons ici. Tout doit aller dans l'ordre. Parce que nous ne sommes pas là pour perdre le temps. C'est pour aller au ciel. Amen. Hein? Amina. Amen. Amina. Je dis, nasema, parce que je sais que les gens me suivent en ligne. Maana ninajua kwamba kuna watu wanaonifuata kwa. Et je sais que mes prédications vont arriver là où elles doivent arriver. Na ninajua kwamba mahubiri yatafika kwenye wako. Parce que moi-même quand je voyage, c'est ce que je fais. Sababu binafsi ninaposafiri ni yale ninafanya. Je n'ai jamais été à Bukavu pour aller dire serviteur de Bukavu, payez-moi les bateaux. Si afika ka Bukavu niambie watumishi wa Bukavu kwamba wanilipie tiketi. Ou aller à Uvira pour dire au pasteur Tatate, payez-moi les bateaux. Au nifike Uvira nianze mwagiza mchungaji Tatate kwamba anilipie mashua.
Non. Apana. Comme ça que nous devons vous former. Hivyo ndivyo tupaswa wafunza. Si vous avez un esprit différent, alors c'est grave. Mukiwa na roho ya tofauti na hii kwamba mambo ni hatari sana. Watu wako wanatajiriki hapa nje kubichunde. Ehe. Ndio. Mtu anakreye tu kichunde juu ya la. Ili tu apate pesa. Maombi ya 13h kuingia 5 dollars. Maombi ya 14h babo banapasha kuingia na 20 dollars. Ah bon? Makesha hayo ni 30 dollars parce que wale ni benye bako na shida za grave. Ema? Sha! No? Apana. Amena. Amina, amina. Les dons, nous les avons reçus, c'est pour aider le corps de Christ de progresser. Tulizipewa na Mungu ili kwamba zisaidie mwili wa Kristo kusonga mbele kiroho. Amen. Amina. Nous sommes suivis de beaucoup de gens. Tunafuatiwa na watu wengi. Et ils doivent savoir quand ils nous suivent à ligne que c'est ça ce que nous nous croyons ici. Kwenye wako wajue kwamba wanapotufuata kwa mtandao yale tunayosema ni yale tunaishi hapa. C'est ça. Ni hayo. 1 Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. On y va lentement. Twende pole pole. 1 Corinthiens 12. Wa Korinto wa kwanza 12. 7. Tu veux aller rapidement. On va y aller rapidement. OK, wa Korinto wa kwanza 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 12 et 7. Sivinanza apa? 12 et 7. Interprète-moi. Ok, ok. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Commune. Kwa faida ya watu wote. Donc l'esprit fonctionne dans chacun, mais c'est pour que tout le monde profite. Inatumikaka ndani ya kila moja wetu ni kwamba wote wafaidike. En effet, kwa hiyo, à l'un est donné par l'esprit moja alipewa na ile roho une parole de sagesse. Neno la hekima au la busara. Sagesse. Busara. Deux. Pili. À un autre, mwengine, une parole de connaissance. Anapewa neno la kujua. Marifa. Marifa. Kujua. Mm-hmm. Selon le même esprit. Sawa, sawa na roho moja. À un autre, kwa mwengine, la foi. Imani. Virgile. Par le même esprit. Kupitia ile ile roho. À un autre, kwa mwengine, les dons de guérison. Karama ya uponyaji. Par le même esprit. Kupitia roho ile ile. À un autre, na kwa mwengine, les dons d'opérer les miracles. Karama ya kufanya miujiza. À un autre, na kwa mwengine, la prophétie. Unabii. À un autre, kwa mwengine, le discernement de l'esprit. Kupambanua roho. Discernement des esprits. Kupambanua roho. À un autre, kwa mwengine, la diversité des langues. Kusema kwa lugha mbalimbali. À un autre, na kwa mwengine, l'interprétation. Tafsiri ya lugha. Ça fait combien? Zinakuwa ngapi? Ça fait combien? Zinakuwa ngapi? Ça fait déjà 9 dons. Zinakuwa karama kenda. Mais ils ne sont pas seulement 9. Lakini haziko kenda peke yake. Continuez avec la liste. Tuendelee na orodha. 1 Corinthiens 12 28. Wa Korinto wa kwanza 12 na 18. Et Dieu a établi dans l'église. Na Mungu aliweka kanisani. Premièrement les apôtres. Kwanza mitume. Secondairement les prophètes. Ya pili manabii. Troisièmement les docteurs. Ya tatu ni walimu. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Kisha wenye kuwa na karama za miujiza. C'est le numéro 5 ici déjà cité. Hapa ni namba ya 5 iliyotajwa. Virgile. Mkato.
Puis, kisha, ceux qui ont le don de guérir, wenye kuwa na karama ya kuponya, c'est déjà cité ici au numéro 4, virgule, mkato, de secourir, na karama ya kusaidia, ndiyo, secourir, kusaidia, c'est le dixième don, ni karama ya kumi, kupana haikuwa kiaseme ni jumu tiko boss. Apana. Ni karama. Mtu anakupa na nalala njala. Unaweza sema iko na biatro. Ni karama. Ndio ndio. Na hakuna siku atakusemaka sema nilipatia ka mtu kikwembe. Ndio. Hey. Ukiona mtu anapana anaenda jitapa hana karama. Aliigana. Mm. Oh, mama fulani alipita hapa nikampatia kusambaza zenye nilikuwa nazo. Yes. Hana karama. Ya kupana. Ule ni wakuigana. Ndiyo. Wakarama na kupatiaka na hakuna mnyatayuaka. Ndiyo, ndiyo. Basere mutangaza. Eo. Maitapo. Hallelujah. Amina, amina. Oh, unaona siye benye Mungu alibarikiaka na himwaye kidogo. Eh. Habibali zake de jour na hakuna mnyanakuya kukamata bunga hapa. Yes. Shkwi. Emma. Puu. Eo. Kula bunga yako. Eh. Ndiyo. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, kisha, c'est déjà. Wenye kuwa na karama ya miujiza. Puis ceux qui ont le don de guérir, wenye kuwa na karama ya kuponya. Virgule, mkato. De secourir, kusaidia. Virgule, mkato. De gouverner, kuongoza. Kuongoza. C'est vrai, hein? C'est un onzième don. Na yoni karama ya kumi na moja. C'est pas n'importe qui peut diriger des équipes. Haiko kila mtu awezaye ongoza kundi. Tu peux guérir les malades mais on te donne une église elle se détruit. Waweza ponya wagonjwa wanapokupa kanisa linabomoka. Tu peux prier, tu peux avoir des prophéties. Waweza kuwa na unabii. On te donne pour être chef de chorale, la chorale se détruit. Wanakufanya usimamie kwaya, kwaya inatawanyika. Oh, chef d'équipe organisation mariage. Wanakufanya usimamie ndoa. Logistique. Mambo ya vitu. Manyama zinalungula na mafrite zinalungula. Ehe. Na batu wanakuya kula 20h mu mariage na balisha enda. Nani alibisimamia? Fulani. Yo. Ni karama. Ndio ndio. Usikuwa na kimlea kuongoza vitu kama huyu ayua kama kuna ile karama. Amina, amina. Kabisa. Tafuta mwabile kenye unawezaka. Kile njo ukomalishe kwanza. Amina, na Mungu abariki kile. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Virgile. Kato. De parler diverses langues. Kusema lugha mbalimbali. C'est déjà là-bas. Nous avons combien de dons? Kuna kwa ngapi? Laisse-moi vous chercher. Maintenant, il continue. Tous sont des apôtres? Je, wote ni mitume? Tous sont des prophètes? Je, wote ni manabii? Tous sont-ils des docteurs? Je, wote ni walimu? Tous sont-ils les dons des miracles? Je, wote wana karama ya miujiza? Tous sont-ils les dons de guérison? Je, wote wana karama ya kuponyesha? Tous parlent-ils en langue? Je, ni wote wananena kwa lugha? Tous interprètent-ils? Je, na ni wote wanatafsiri lugha? Non. Paulo anauliza. Douzième don, je vous le cherche. Niko ninawatafutia ya 12. Il y a 12 dons. Karama zinakuwa ka 12. Pas neuf. Sikenda. Il y a déjà 11. Tulisha kuwa na 11. Cherchons le 12e. Tutafute ile ya 12. Vous savez là où il est? Mwajua kwenye inapatikana. Allez chez Romain. Twende kwa Waroma. Romains 12, 11. Waroma 12, 11. Ayez du zèle. Je commence d'abord. Romains 12, 8. Et c'est... Je commence par 6. Puisque nous avons des dons différents. Sababu tuna karama mbalimbali. Selon la grâce qui nous a été accordée. Sawa sawa na neema tuliopewa. Que celui qui a le don de prophétie. Yule aliye na karama ya unabii. L'exerce selon l'analogie de la foi. Ai tumikishe sawa sawa na njia ya imani. Donc la prophétie doit marcher avec la foi. Une prophétie qui est contre la doctrine ici est une fausse prophétie. Unabii ambayo inapingana na mafundisho ya kibiblia ni unabii wa uongo. Que celui qui prophétise selon l'analogie de la foi.
anaye toa unabi alete unabi unao ambatana na imani. Qu'est-ce que cela veut dire? Ina maana gani? Toute prophétie doit être conforme à la doctrine. Kila unabi unapaswa ambatana na mafundisho ya Biblia. Si quelqu'un s'est levé ici. Kama mtu angesimama. Ainsi dit le Seigneur. Hivi asema Bwana. Pasteur Patrick. Sorry. Pasteur Patrick. Chungaji Patrick. Tu dois prendre une deuxième femme. Unapaswa oa mwingine mwanamke. Dieu m'a dit. Mungu alinambia. Mama Ruth est fatiguée. Ya kuwa Mama Ruth amechoka. Je vais t'aider mon serviteur. Kwa hiyo nataka kusaidia mtumishi wangu. Une deuxième aide. Na msaidizi wa pili. L'objectif est bon. Shabani nzuri. Une autre aide. Msaidizi mwingine. Mais est-ce que doctrinalement c'est vrai? Sasa. Kimaandiko. Kimaandiko ni kweli. C'est une prophétie. Ndio ni unabii. Qui ne cadre pas avec la foi. Ambayo haiambatani na imani. C'est pourquoi Paul dit ici que celui qui prophétise l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Amen. Aifanye kwa moyo mkunjufu. Que celui qui préside na mwenye kusimamia le fasse avec zèle. Si mon préside pale, si ni gouvernance pale, le préside kwa bidii. Musikie kengine kenye wanatia kututia ka 12 sasa. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Na anaye rehemu aifanye kwa furaha. Miséricorde. La, c'est lui qui a toujours un esprit de pardon. Mwenye alipewaka roho ya kuhuruma, ya kuhurumia. Kuwa na samehe. Kuwa na samehe. Kusamehe ni karama. Ndiyo. Pardonner les gens est un don. Kusamehe watu nayo ni karama. Il y a des gens kuna watu qui vous pardonne wanao kusamehe reste malade. Wanabaki wakigonjwa. Il y a des gens kuna watu qui vous pardonne wanao kusamehe, mais ils coupent le pont. Lakini wanakata kilalo. Il vous a pardonné alikusamehe, mais il ne vous saluera jamais. Lakini hakuna siku atakusalimia. Il ne vous dira jamais bonjour. Hata kusalimiaka. Il vous met dans la liste noire. Anakuweka katika kibweta cheusi. Et quand il vous voit akuonapo, il passe à côté. Anapita njia, mais il vous a déjà pardonné. Ingawa alishaka kusamehe. Il n'a pas le 12e don. Hana hiyo karama ya 12. Et beaucoup d'entre vous qui n'ont pas ces dons, na wengi miongoni mwenu ambao hawana karama, des fois s'étonne bana shangalaka quand il voit que quelqu'un vous a causé du tort. Wanapoona mtu alikukosea, mais il vous voit, anawaona, vous le saluez, ukimsalimia, vous parlez avec lui, unaongea naye. Ah, wana mtu iko na roho ya nguvu bwana. Eh. Anasemesha fulani tena. Na vyenye alimfanyizia? No. Hapana. C'est un don. Ni karama. Sema ingekuwa mimi siwezi tena msemesha. No 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 no. Hapana ule, hapana ule. No no. Anamsemesha bwana. Eh. Na anamsaidia. Eh. Sema aha. Pengine bako na maroho zenye zinapanuka. Aha. No. C'est un don. Hapa ana karama. Mais pourquoi maintenant vous êtes en train de vous précipiter pour les miracles, pour des guérisons, pour ceci, cela, alors qu'il y a 12? Kwa nini sasa unapiga mbio kwa miujiza na mingine ingalau karama ziko 12? Unakosa kamoya. Mbe kama unakosa, sujifunza na kupana he. Kutoa, kupana. Sujifunza tu kwa napana, usaidie tu watu. Jizoeleshe kwa napana. Amen, hein? Amina, amina. Tout le monde est avec des miracles. Jésus-Christ. Celui qui fait les miracles, celui qui prophétise, tout le monde c'est égal. Wote wako sawa sawa. On nous dit,
tunaambiwa plusieurs dons karama nyingi pour l'importance de nous tous kwa faida ya sisi sote. Maintenant, est-ce que vous ne voyez pas que si on allait prendre tous ceux qui ont les 12, toute l'église risque d'être la chambre des dons? Sasa kama watu wangelikamatwa kwa msingi wa hizi karama zote, manake kanisa lote lingekuwa chumba cha karama. Lote litakuwa chumba karama. Ndi. Et puis à cela, hiyo, n'oubliez pas msisahau, que dans la prophétie, ya kuwa katika unabii, il y a les songes. Muna ndoto. Il y a des gens kuna watu qui ne peuvent pas vous prophétiser comme ça. Wasioweza kukupatia unabii hivi. Mais quand ils dorment, lakini walalapo, les rêves, ndoto zao, c'est une machette. Ni mupanga. Ils ont la prophétie wana unabii dans les songes. Katika ndoto. Les songes dans la prophétie. Ndoto katika unabii. Alléluia. Amina, amina. Alors, mais je vous pose maintenant la question. Sasa mimi ni waulize. Ces 12 choses ici. Haya mambo kumi na mawili. Lequel tu as? Una ya wapi? Que tu dis? Uwezayo sema, Seigneur Dieu, Bwana Mungu, je pourrais ne pas voir les 12. Ninge kosa zile kumi na mbili, mais autant j'ai le Saint-Esprit. Ingalau nina Roho Mtakatifu. Et on dit que le Saint-Esprit ne peut pas être dans quelqu'un et manquer de lui donner même kamoya. Parce que hawezi kuwa ndani ce sont les dons du Saint-Esprit. Sababu haya yote ni zawadi au karama za Roho Mtakatifu. Et il distribue à chacun selon sa volonté. Na Mungu anagabuliaka kila moja sawa sawa na mapenzi yake. Lequel tu veux réanimer pour que cette année en 2024 que ça chauffe. Ambazo zinaombwa zichamshiwe ziamshwe ili kwamba ziwe moto katika mwaka huu. Vous devez réchauffer ça. Munapaswa zichamsha. Ne le laissez pas s'endormir. Musizi lalishe ndani. Un patron avait de l'argent. Bossi alikuwa na pesa. Que nous appelons les talents. Zinaitwa talanta. Il a appelé un. Kaitaka moja. Il lui a fait cinq. Kampa tano. Il a appelé un deuxième. Kaita wa pili. Il lui a fait deux. Kampa mbili. Il a appelé un autre. Kaita mwingine. Il lui a donné un. Kampea moja. Il a dit allez travailler. Kasema, nende mkatumike. Je pars en voyage. Na safiri. Quand je reviens, nitakaporudi. Chacun me fera les rapports. Kila moja atanipa. Report. Dieu a placé quelque chose dans chacun de nous. Mungu aliweka kitu katika kila le patron moja va revenir. Bossi karudi. Il demandera à chacun kauliza kila moja wao ce qu'il a placé dans lui, s'il l'a utilisé comment. Yale aliyoweka au kawakabizi ili aone waliyatumia namna gani. Celui qui avait cinq aliyekuwa na tano est allé faire tout. Alienda tumika. Il en a gagné. Si vous avez besoin de ce verset, c'est Matthieu 25, verset 17, descendez en bas. Matthieu 25, 17. Lisez tout en bas. Celui qui avait 5, il a eu 5. Celui qui avait 2, il a eu 2. Celui qui avait 1, a creusé. Il a mis dans le sol. Au retour du boss, il a dit, ce que tu m'as donné, c'est ce que je te donne. Ne cherche pas à récolter là où tu n'as pas semé. Tu m'as donné un, je te remets un. Il a demandé, mais pourquoi tu n'as pas mis même ça en banque? Kwa nini haukuipeleka kwenye benki? On allait avoir même 0,0001. Singekosa hata faida ndogo ingeliongezeka. Il a dit, kasema, prenez-le, mumshike, out. Mumtupe nje. Même le peu qu'il a ravissé. Na kidogo anayo mnyanganyeni. Cette année, mwaka huu, je vous donne 6 mois si nous serons encore en vie. Kama tutakuwa hai na wapa miezi 6. Dans le mois de juin, mwezi wa sita. Ceux qui se seront sanctifiés, wenye watakuwa walijitakasa, qui ont bien vécu, wakaishi vizuri, qui auront réellement manifesté qu'ils ont de vrais dons, ambao wataonekana kuwa walikuwa na karama za kweli, nous les ajouterons dans la salle des dons. Tutawaongezea mchumba cha karama. Pourvu qu'ils nous aient prouvé qu'ils ont vécu comme il faut. Kwamba waliishi ifaavyo. Maintenant je pose la question. Sasa niulize. Comment ranimer? Namna ya kujichamsha. La parole de sagesse
Sorry. La parole de sagesse, neno la busara, c'est le plus grand don. Ndio karama kubwa. Et frère Branham, ndugu Branham et Paul disent na Paulo wanasema, que c'est ceux-là qui ont la sagesse qui doivent juger tous les autres dons. Ni wale wenye kuwa na busara wawezao. Donc, les magistrats, les juges, présidents de tous les dons, ce n'est pas la prophétie. Hakimu mkubwa wa hizi karama zote ni karama ya busara. C'est le don de la sagesse qui est le juge magistrat de tous ces dons. Karama ya busara, hekima ambayo ndiye hakimu wa hizi karama zingine zote. Son adjoint, anayemfuata, c'est la connaissance. Ni anaye na karama ya parce que vous pouvez ne pas avoir une prophétie, mais vous connaissez l'écriture, vous dites non, non, ça ce n'est pas la, l'écriture. Waweza kutokuwa na unabii lakini una maarifa na kujua hiki ni kizuri. Alors, la sagesse c'est quoi? Busara ni nini? C'est l'intelligence spirituelle ni ile akili ya kiroho que vous avez unayokuwa nayo de juger les choses ya kuamua mambo de trouver des solutions là où les autres ont manqué de solutions. Kupata suluhu ya kwenye wengine walikosa. Et c'est ce que Salomon avait demandé ni ile Solomono aliombaka pour diriger Israël. Ili kwamba ongoze Israël. Et ça a été retrouvé lorsque deux femmes étaient venues. Quand il a dit prenez l'épée, coupez l'enfant, la sagesse a travaillé. Ilizihirikaka wakati wanawake wawili waligombania mtoto, alafu Solomono kaomba upanga kwamba agabule mtoto. Et je vous pose la question. Sasa niwaulize. Vous avez une église comme celle-ci. Mukiwa na kanisa kama hili. Si vous n'avez pas de sagesse. Musipokuwa na hekima. Vous ne pouvez pas conduire. Hawezi kaongoza. Impérativement. Bila tout shaka. Pasteur qui n'a pas de sagesse, son église doit sombrer. Mchungaji yote yule ambaye hana busara, kanisa lake litakuwa gizani. Vous allez gérer les dossiers des garçons, des filles, des hommes, des femmes, des ministres, des dons, des visiteurs, des blablabla. Bla. Vous devez avoir quelque chose. Utaongelea dosari za vijana, za wamama, za wababa, za akina ule. Usipokuwa na busara hautaweza. Il y a même des choses que tu es obligé de ne pas dire alors que tu allais dire tu t'étais. Kuna mambo ambayo washurutishwa kunyamanza ingalao ungalisema lakini unanyamanza. On te dit pourquoi tu n'as pas dit, je n'ai pas voulu. Wanakuswali kwa nini haukujibu kwa yale maswali unasema sikujisikia. La sagesse. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. La Bible dit. Biblia inasema. Si tu as besoin de la sagesse. Ikiwa una haja ya hekima. Commence à craindre Dieu. Amina. Anza kwa kuogopa Mungu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ndio mwanzo wa hekima. Alors si tu veux avoir la sagesse cette année, ikiwa sasa wataka kuwa na hekima mwaka huu, ranime ça en commençant par craindre Dieu. Uichamushe kwa kuanzia kwa kuogopa Mungu. Craignez Dieu seulement. Ogopa Mungu pekee. La sagesse va venir. Hekima itakuja. Ogopa Mungu tu, busara itakuya. Ndio, ndio. Chukuka bitu wenye takuna, hivi sitabifanya juu Mungu na busara iko na komara pole pole. C'est vrai, hein? Me, we hauna boga ya Mungu, napenda Mungu akupatie busara. Ya nini? We mwenye haogopake Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Amen, amen. Bon. Sasa. J'ai besoin de la connaissance. Mm-hmm. J'ai besoin de la connaissance. Nina haja ya maarifa. La connaissance c'est quoi? Kujua maana yake nini? C'est connaître ni kujua les écritures maandiko leur application namna ya kuyafanya selon chaque situation sawa sawa na kila hali et comment gérer des situations difficiles pour soi-même et pour les autres selon la Bible namna ya kutembea mudosari ngumu sana sawa sawa na Biblia. C'est la connaissance. Kujua peke yake. On vous dit quelque chose. Unaambiwa jambo. Vous dites non, 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 non. Unasema, apana. Dans la Bible, Mbibilia, il y avait quelque chose qui s'était produit comme ça. Kuna kitu kilichofanyika cha kufanana hiki. Tu te souviens? Nakumbuka. Il y a un garçon qui s'était rendu malade. Kuna kijana aliyejigonjwesha. Il avait dit à sa sœur de lui amener la nourriture, il l'a violé. Aliambia dada yake amletee chakula chumbani akambaka. Vous les filles. Ninyi wabinti. Ils ne font pas entrer dans les chambres des garçons vous seuls. Musiwe naingia vyumbani vya vijana ninyi peke yenu. C'est arrivé.
ça peut vous arriver aussi. Il est en train de vous donner conseil sur base de quoi? La connaissance. Kujua. Ok? Sawa. Alors, mais je pose la question. Sasa, comment vous voulez avoir les dons de connaissance? Unataka kuwa na karama ya kujua. Vous ne lisez pas la Bible. Hausomake Biblia. Vous ne lisez aucune brochure. Hausomake jumbe za... Vous n'avez aucun carnet de prédication. Hauna buku lolote la kuandika ndani mahubiri. Quand on prêche, wanapohubiri, tu regardes una angalia, du début tangu mwanzo, jusqu'à la fin. Mpaka mwisho. Mais tu veux être ministre. Na unataka ukuwake mtumishi. Alors, tu nous prêcheras quoi que tu n'as jamais lu, tu n'as jamais prêché, sasa, tu n'as jamais écrit. Uta hubiriaka watu nini yenye, hauandikake na hausomake. Vous croyez que nous pour venir ici, on ne prépare pas? Munawaza sisi kwa kuja hapa hatutayarishake. Moi je vais vous dire. Mimi niwaambie. Je vais vous étonner. Niwashangaze. Quand je dois prêcher le dimanche. Wakati nitahubiri siku ya Jumapili. Je commence ma préparation à 15h. Naanzaka mahubiri yangu saa 9. Je termine à 22h. Nalimalizaka saa 4 ya usiku. Tout ce que vous me voyez projeter. Yote munaonaka naonyesha hapa. Les images. Picha. Les photos. Les versets. Mashahiri. Citation. Mitajo. Je suis né avec ça. Munawaza nilizaliwaka nazo. De 15h à 22h. Tangia saa 9 mpaka saa 4 ya usiku. 6h de temps de préparation. Masaa 6 ya matayarisho. Je dois lire, je dois chercher les versets. Yabidi nisome nipekue maandiko. Parce que j'ai besoin de la connaissance. Sababu nina haja nijue mambo. Maintenant, vous n'écrivez rien. Sasa wewe usipoandika. Vous ne lisez rien. Tena na usisome. Et quand on prêche, na wakati wanahubiri, vous sortez plusieurs fois. Unatoka toka mara mingi. Tu peux faire même 10 ans, tu n'auras pas de connaissances. Waweza fanya hata miaka 10 hautajuaka kitu. Amen, hein? Amen, amen. La foi. Imani. Vous voulez développer votre foi. Wataka komalisha imani yako. Il faut faire tout. Yabidi ujitahidi. Donner confiance à Dieu. Point très. Aha. Wewe tumainia Mungu sana mwisho pale. Msitafutie mbali. Mtu wa imani anategemea kwa Mungu, meme kwenye wengine wanawaza havitawezekana. Oui. Je suis en train de vous donner des petits secrets de comment ranimer vos dons. Niko ninawatobolea siri mbalimbali ya namna ya kuchamsha karama zilizozaliwa. Vous avez besoin de la foi. Una haja ya kuwa na imani. Voici le secret. Siri ndio hii. Quand vous avez prié pour une chose. Amen. Wakati uliombea kitu. Tournez la page oubliée. Geuza ukurasa na sahau. Ne vous posez pas de questions sur comment ça se fera. Usijiulize maswali ya namna vitakavyofanyika. Dites seulement. Wewe sema. On a prié. Nilishaomba Mungu. Bakia pale. Simamia pale. Même si les symptômes viennent négativement. Hata dalili zitaonekana tofauti. Même si tu sens des douleurs. Hata utahisi maumivu. Même si la personne te dit après la prière ça n'a pas été bien. Hata mtu atakwambia nyuma kuombewa mambo karibika. Continue à lui dire. Endelea kumwambia. On a prié. Tulishaomba Mungu. Continue à dire. Endelea kusema. On a dit à Dieu. Tulishaambia Mungu. La foi c'est quoi? Imani ni nini? La foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est donner à Dieu la confiance. Ni kutumainia Mungu sana. Croire qu'il peut tout. Amini ya kwamba Mungu anaweza yote. Et ne jamais douter de ce qu'il fait. Na usishaki yake yenye Mungu anafanya. Vous voulez ranimer votre foi cette année? Unataka chamsha imani yako mwaka huu? Cette année. Huu mwaka. Tu es celui qu'on appelle le doute. Amina. Uwa kinachoitwa shaka. Mashaka. Fini. Mwisho. Tu verras combien cette année tu seras fort. Utaona namna utakuwa na nguvu katika mwaka huu. Amen. Amina. La guérison. Uponyaji. La guérison c'est un secret. Uponyaji nayo ni siri. C'est la guérison. Wajua uponyaji. C'est un droit. Ni haki. Non, on ne demande plus la guérison. Si hatuombaki tena uponyaji. Parce qu'il est dit. Sababu ilisemeka. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen.
kwamba ni kwa vidonda vyake tumepata uponyaji. Nous on ne cherche plus la guérison. Sisi hatutafuti. La guérison nous a été donnée au calvaire. Alléluia. Uponyaji ilitupewa Golgotha Calvary. Marc 16 dit quoi? Marc 16 yasema nini? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amina. Pas les pasteurs. Miujiza majabu yatakayofuata watakao amini. Ceux qui auront cru. Ni watakao amini. Ils imposeront les mains aux malades. Kwamba watawekea wagonjwa mikono. Et les malades seront guéris. Na wagonjwa watapona. Vous avez besoin de réanimer votre foi de guérison, votre don de guérison. Haja ya kuamsha karama yako ya uponyaji. Vous croyez? Amini. Vous vous êtes repenti? Tubu zambi. Vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ukabatizwa mujina la Bwana Yesu. Dans beaucoup d'eau. Katika maji mengi. Après s'être repenti. Ukiwa umekwisha tubu. Vous avez cru? Ukaamini. Imposez les mains. Weka mkono juu ya mgonjwa. Après avoir imposé les mains. Unapokwisha weka mikono. Prononcez le nom de Jésus-Christ. Tamka tu jina la Bwana Yesu Kristo. Le reste est dit. Inayobakia sema. Que le nom de Jésus-Christ se débrouille là-bas. Jina la Yesu Kristo lifanye kazi pale. Point 3. Mwisho. Vous n'avez pas besoin de trop de gymnastique. Hauna haja ya kutumika sana. Donc tout le monde du début jusqu'à la fin. Wote tangu mwanzo mpaka mwisho. Moi je vous dis. Mimi ni wambie. Si je suis malade. Mimi ni kigonjo. Je peux m'agenouiller, n'importe lequel de vous peut m'imposer les mains. Naweza piga magoti. Yeyote yule aweza niwekea mkono. Sasa vile kama mlikuwa mubiyue mimi nabibambia hivi. Amen amen. Kama mimi najua uliamini bien. Ndio. Ushakabatizwa mjina la Yesu Kristo. E Bwana, sitakuchagua. Niwekee mikono. Sababu ni inatosha. Amen. Uko muamini, waamini wataweka mikono juu ya wagonjwa. Nao watapata afya. Nitakushakia tu kama huko muamini. Amina. Tu. Très bien. Very good. C'est pourquoi ils ne font pas choisir les ministres. Ndio maana msiwe tu nachagua watumishi. Oh, quand ce n'est pas le pasteur Patrick qui prie pour moi, je ne serai pas guéri. Oh. C'est toi qui n'as pas la foi. Kama haiko mchungaji Patrick wa kuniombea sitapona. Wewe ndio mwenye. Je peux même terminer le culte, j'ai dit on ne prie pas pour les malades, que celui qui est malade dise à celui qui est à côté de lui de le toucher et nous prions na unapona. Naweza maliza ibada na sitaita watu kuwaombea mikono, ninasema tu mwenye anagonjwa ambie mwenye kumkaribia amwekee mikono na mwisho pale. Ça suffit. Oh, il faut que fulani njoa niguse. C'est vrai que mukarama ya kupona ça dépend, kuna benye bako na karama kweli. Tunajua. Ndiyo. Lakini kila mkristo aliyeamini akabatizwa mujina la Yesu Kristo akikutana na dosia magonjwa kwenye iko asishinda naita batumishi. Mule mule mwenu. Ndiyo. Pale pale kwenye uko atake. Amen. Shambulia. Utakuya tuita na ulisha atake. Pale, pale. Ndiyo, ndiyo. C'est vrai, hein. Moi-même, quand je suis malade, je dis à ma femme de prier pour moi. Est-ce que vous l'avez déjà vu prier pour les malades ici? Binafsi, wakati, ninapogonjwa. Naambia katu bibi yangu aniombe. Na inaishia pale. Mucha muona hapa mubakuombea batu. Na mucha muona nisimama hapa na mikro semiko na baombea hako. Apana. Mbona na niombea haka kunyumba. Kisha na nye muna sema ni baombei. Ndiyo. Amen, amen. Ndiyo. Tu es un frère, tu es malade, ta femme, tu sais qu'elle est chrétienne, dit ta mama chérie, venez. Ukiwa ndugu nyumbani, unajua uliamini. Usiogope kuambia bibi yangu, mke wangu, nasikia magonjwa. Ewa, niweke mikono, fukuza hizi pepo. Yakobo anasema, mutengeneze tu zambi ninyi kwa ninyi, na magonjwa batapona. Repare, prie, fini. Mukiri zambi ninyi kwa ninyi mutengeneze na muombe Mungu na uponyaji utakuwa. Hii mwaka ndabakomesha. Utakuwa na kuya pastere niombe mimi nakwambia uende bwana yako akuombee. Utakoma kwanza. Oh pasteur, priez pour moi. Va à la maison, ton mari va prier pour toi. Amen, amen. Oh pasteur, priez pour moi. Tu es marié, oui, okay. Tu as une femme, oui. Ta femme va prier pour toi à la amen, maison. Amen, c'est une croyante, oui. Tu as la foi qu'elle est chrétienne, okay. Va à la maison. Kama sasa una munguza orao waka, utakufwa. Okozua. Mupende bake yenu, batrete muzuri, njoba tabasadea hii mwaka. Ndio. Nubulo rani mele don. Yabidi muamshe karama. Niitie batumishi. Na mwenye yuko pembeni yako ni Mkristo. Mbe mwaka zarau simuyache kwanza. Hey.
Watumishi kama bangekuwa hapa. Ndiyo, huyu ni Mkristo. Wanaoamini wataweka mikono. Kama bibi yako ni muamini, simwambie sheria kuu ya hapa. Atake. Ndiyo, ndiyo. Yeah, man, amen. Amen, amen. Karama zinapashwa waka hii mwaka. Sema, Mungu abarikiwe, niligonjwa, nikaita bibi yangu, akaniombea, nishapona. Haleluya. Tunasema amen. Ndiyo. Amina. Frère Branham. Ndugu Branham. Jésus. Yes. Paul. Paulo. Et toutes les grandes personnes qui ont fait les miracles. Na wakubwa wote waliotenda miujiza. Et la guérison. Na uponyaji. Vous savez les secrets. Mwajua siri. C'est la foi et la pitié. Ni wakati mtu anakuwa na imani na huruma juu ya mgonjwa inayofanya kazi. Ndio siri. Ndio siri hiyo. La foi, imani, et la pitié. Na huruma juu ya mgonjwa. Même la Bible dit. Hata na Biblia inasema. Jésus eut de la compassion. Yesu akasikia huruma. Il demanda. Akauliza. Depuis le matin, ces gens n'ont pas mangé. Eti tangu asubuhi watu hawajakula. Il lui dit oui. Mitume wakamjibu ndio. Vous n'avez pas à leur donner. Sasa muna nini cha kuwapa? Il y a quelques pains et les poissons ici. Eti hapa kuna mikate michache na samaki. Amen. Kwa hiyo vile tena. Il a prié. Akaviombea. Les pains et les poissons se sont multipliés. Samaki zikaongezeka. Kama uko mtu wa machuki. Yeah. Mwenye upenda keba. Watu. Mwenye akweke na huruma kwa wagonjwa. Mwenye akweke na huruma kwa mashida za watu. Yes. Hakuna siku Mungu atakufanyishaka muujiza. Amen, amen. Wala ishara. Dio. Wala vitu vya uponyaji. Amina. Na ukibifanya. Yo. Swat. Ni Mungu alihurumia wale watu. Wala huko mpakaliwa wa wakati wa mwisho. Les soins du temps de la fin. Bale benye Yesu atasema batafanya miujiza. Ni Yesu atabambia sikubajua. Amen. Kumbe ni watu walifanya miujiza, ni watu wa madega. Ndio, ndio. Dega. Watu wa madhara mengi. Mtu anakuombea na nakudrage. Ehe. Anamaliza kuwekea mikono unapona, mimi nalala na wewe. Ema. Bwana Yesu. Alléluia. Amina. Donc les miracles. Manake miujiza. La guérison. Uponyaji. C'est la pitié. Ni huruma. Et la foi. Na imani. Si tu connais la Siri. Ndiyo ndiyo. Amen, amen. Mkose bitumikisha hii mwaka. Amen, amen. Sawa. Kama uhurumie mtu. Mtu mwana kumkuleta na muona. Mungu. Tu regardes la personne. Unaangalia mtu. Tu dis. Unasema. Si c'était ma femme aussi. Sasa huyu angekuwa ndio bibi yangu. Si c'était mon enfant. Na angekuwa ni mtoto wangu. Qui est comme ça? Aliye muhali hii. Je me sentirais comment? Ningejihisi namna gani? Oh Dieu. Eh Mungu. Mais tu es capable. Mungu si unaweza. À genoux. Unapiga magoti. Tu prends la foi. Una shika imani. Tu mélanges la pitié. Unaichanga na huruma. Tu dis. Unasema. Dieu. Mungu. Même si toi aussi tu étais ici. Hata na wewe ungekuwa hapa. Tu allais le guérir. Ungeponya mtu huyu. Maintenant. Sasa. Tu es présent. Uko hapa. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Qui est dans moi. Aliye ndani yangu. J'attaque. Ça c'est les démons qui troublent ma soeur. Ça c'est les démons qui troublent ces garçons. Amen. Amina. Amina. Les prophéties, unabi, on ne crée pas. Haiko vitu vya kutengeneza. Les songes, ndoto, on ne crée pas. Mutu havitengenezi. Mais lakini, tu dois avoir la connaissance wapaswa kuwa na maarifa pour ne pas prophétiser les faux. Ili usitabiri vya uongo. La prophétie, unabii, tu te sanctifies seulement. Wewe jitakase tu. Ça suffit. Yatosha. Le songe, ndoto, n'allez pas dormir sans prier. Usiende lala na haukuomba. Ne mangez pas trop de nourriture à 22 heures. Usivimbishe tumbo
Maintenant, quand ça gonfle ici, parce que tu dors, tu as des cauchemars, des mauvais rêves, oh, Dieu m'a visité. Le discernement de l'esprit, c'est donné souverainement par Dieu. Et les gens de prophétie et les gens de discernement ne doivent pas se mêler dans des affaires. Ce qu'il y a, vous voyez, moi, toi, ma bounabi, je voulais mon bikundi bia l'outetano ou tabiri kesho. Jovile, alienda, akafika, kesho. Osema bwana, Mungu wa majeshi, muko na shida, mwenu munyumba. Me, ulibisikia mchikundi cha maongezi. Les gens de prophétie et de discernement de l'esprit doivent se mettre en dehors de tous les groupes de critiques et de circulation d'informations. Ce ne sont pas ces nouvelles que vous apprenez au quartier que vous allez trouver en forme de prophétie. La prophétie doit parler sur des choses inconnues par toi. Haiko mahabari zenye ulisikia mumakundi zenye ulishiriki na kwenye ulipita zenye utaletea kanisa. Unabi ni vitu vyenye vinakuya kupasha watu vyenye hawajui. Na weye, na weye mwenye unatabiri habi, hauna kuhabari. Ndiyo, ndiyo. Unamaliza sikia kitu mkundi ya wanawake kwenye mkoa mnatetana. Asema bwana Mungu wa majeshi, mama fulani uko na shida na bwana yako na jana mlibomola kopo. Mkamwangana kobui. Kumbe ulisikia kama bali mwangana kobui. Amen. We. Pepo. 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 Demon. Mauvais esprit. Pepo chafu. Tu dois prophétiser ce que tu ne sais pas. Na wewe utatabiri kwa vyenye haujui. D'ailleurs, quand quelque chose vient sur ce que tu sais, ferme ta bouche, ne le dis pas. Na unapopata unabii kuhusu mambo unayojua, funga kinywa yako. Quand tu sens que ça tendance de venir dans toi, unaposikia kwamba vinalungamana ndani yako, ferme ça. Bizuize. Dis-moi ça, je sais pourquoi je vais faire sortir ça. Sema, habari hii naijua. Mbona mimi nataka hii? Sema na mimi naijua. Tais-toi, démon. Nyamanza ewe pepo. Si c'est Dieu, donnez-moi des choses que je ne sais pas. Ikiwa ni Mungu, nilete habari nisizojua. Non. Apana. Ne dites pas des choses que vous savez parce que vous les avez appris de vos groupes pour venir nous les prophétiser. Usitabiri, nango. Usitabiri maneno ya habari zenye ulisikia kwenye ulipita usizilete kanisa. Apana. Amen. Amina. Amen. Amina. Dieu m'a dit. Dieu me dit. Dieu me dit. Dieu me dit. Gasago, tu vas acheter une parcelle. Ewe Gasago, tanunua kiwanja. Kumbe ulisha sikia alishatia ba commissionnaire ku terrain. Yo 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 yo. Alléluia. Amina. Parler en langue. Iyi kusema kwa lugha. Interprétation en langue. Na kutafsiri lugha. Ça vient sans être prévu. Binakuyaka na ukubitayarisha. Tu sais comment le parler en langue arrive? Mnajua gisi lugha inakuyaka. La personne sent. Mtu anasikiaka. Soit qu'elle veut prier. Anataka omba. Ou qu'elle veut dire quelque chose. Au anataka sema jambo. La langue se complique. Lugha inakorogeka. Ça descend sous forme de parler. Inashuka kama vile lugha. L'autre qui est de l'autre côté. Mwingine mwenye iko kando. Il sent la signification pendant que les autres ne savent pas. Anasikia maana ile lugha wakati wengine hawajui. Alors il vous l'a dit dans la langue que vous écoutez, mais lui a intercepté cette langue-là. Anawaambia maneno yeye mnasikia mwa ile lugha lakini yeye alisikia tafsiri ya ile lugha. Combien déjà créé des langues dans nos églises? Watu wangapi wana undaka lugha mu makanisa? Pendant 5 ans c'est le même mot. Miezi 5 mtu anasemaka yale yale maneno. Karabashaka karabashaka karabashaka. Oh, paracetamol kamokine. Non! Apana. Le parler à langue.
Luga, c'est, tu sens que tu vas exploser. Ni wakati unasikia unataka bomoka. Mais tu manques quoi dire. Unakosa vya kusema. Et là, ils ne font pas te freiner. Na pale usijizuize. Fais-te sortir ça. Acha bitoke. Si l'autre est là, kama mwingine kopa, il entend l'interprétation. Yeye atasikia tafsiri. Il vous dit. Atakwambia. S'il n'y a rien, kama hakuna jambo, vous vous taisez. Jinyamanzi. Mais la Bible et Paul n'encouragent pas trop de parler en langue qui n'ont pas d'interprétation. Paulo na Biblia havihimizi sana lugha zisizokuwa na tafsiri. Mais on ne peut pas empêcher les gens de parler en langue. Lakini pia hatuwezi zuia watu kusema kwa lugha. Parce que c'est accompagné de cris, de pleurs, de gémissements, de frissons. Na kulia, et des fois la personne est là, est bénie. Na zaidi, mtu yule anabarikiwa. Mais des fois, lakini mara, vous pouvez ne pas être béni, mais lui est béni. Munaweza kutobarikiwa, lakini yeye ulimwengu wake imo katika kubarikiwa. Maintenant, Paul voudrait que quand il est béni, que tout le monde soit béni aussi. Qu'on sache qu'est-ce qu'il voulait dire. Alitaka kwamba, anayesema kwa lugha kibarikiwa, na kanisa libarikiwe. Alors, attention. Alafu, mufanye hange. Vous voulez que vos langues soient bien. Ukitaka kwamba lugha zako ziwe nzuri. Ne criez pas. Usiwe na ogopa. Ne freinez pas. Usizuie. Faites sortir ce que tu sens. Tosha unavyohisi. Mais lakini, ne le faites pas pour se montrer. Usiwe nafanya hivyo kwa kujionyesha. Je vais finir vite, on prie pour nos gens. Naenda secourir. Kusaidia au kupana. Secourir. Kusaidia. Hapa. Le don de secourir a trois choses. Karama za kupana zikwa mambo tatu. La pitié. Kwanza, huruma. La pitié. Huruma kwanza. Virgile. Kato. L'amour. Upendo. Virgile. Kato. Ne pas aimer les choses du monde. Usio mtu wa kupenda vitu vya dunia. Trois choses. Mamba matatu. Pitié. Kuwa na huruma. Amour. Kuwa na upendo. Plus pas les choses du monde. Usipende mambo ya dunia. Mutu mwenye anapenda vitu havipanaki yako. Ah bon? Atakupa vionalisha biabudu. Yo. Celui qui aime trop les choses du monde ne donne pas. Mutu mwenye anapendaka vitu vya dunia havipanaka yako. Parce que pour donner, sababu kwa kupana, le main tremble. Mikono inatetemeka. Hawezi kunapenda lari kishuta zipana hako. Il faut usizipende sana pour que uzipeane yako. Mais kama unapendaka lufranga, unaonaka bia $100, jasho inatoka. Hawezi kata mo $10 upatie mtu. Haiwezekani. Sini kwa nabafundisha. Ndiyo, ndiyo. Kazi yenu kama hii mwaka hamuzalishe. Amen, amen. Mjikosa vya kuzalisha hii talanta. Hey. Rendezvous December. Tutaka kutana mwezi wa 12. Une femme. Bibi, qui regarde la viande dans la casserole. Mwenye akichungulia nyama ziko mchungu. Et qui fait tomber la salive. Mate inamuanguka. Elle peut vous donner. Uyu mama naweza kupa kunyama yake. Pour te donner. Kwa kukupatia. Il faut qu'elle n'aime pas trop la viande. Yafa asipende nyama sana. Ukiona mtu anapanaka. Aisha dépassé niveau ya kupenda vitu ya dunia. Amina. Amen. Amina. Mtu kuna $20. Eh. Anaitosha mpoche. Yes. Anakupa 10. Mm. Anaenda na 10. Unaweza sema nimekupa 10 jiko na 3000. Kumbe narudia na ka 10. Yo. Kisha unaweza sema hivi ananipa 10 anapaswa kuwa iko na 4000. Eh, bengine walizichazipata kwe. Na nakupa na naenda hanazo. Ndiyo. Na unasirika sema nimekupa za kidogo. Ema. Kama si alikuwa na deni yako. Yo. Aseme amenipa utu. Is it too? Wewe ulikuwa na ulikuwa na ngapi? Iko na deni yako. Ehe. Mbe kama na wewe uko mkristo supane kwa zile zenye balikupa. Ehe. Banakupa ka 10. Kwa maana wewe hakukagabula upatie mwingine 5. Mbona naume akafikisha kwako? Amina. Amen. Amina. Do
talents, vous avez les dons de secourir. Vous voulez les développer dans cette année. N'aimez trop les choses. Sachez que nous sommes venus sans rien, nous irons sans rien. Nous sommes nés vides mains. Même si nous allons accumuler quoi, dans le cercueil, on n'ira avec rien. Vous avez besoin de développer les dons de secourir. Aimez les gens. Aimez les gens. Et quand tu les aimes, ne donnez pas aux gens que tu crois qu'ils te donneront un jour. Merci beaucoup. Sinon, c'est le likirimba. C'est la ristourne. On donne à ceux-là qu'on pense qu'ils n'auront même pas le temps de me donner aussi. Ce qui est un dada. Unapo saidia, unapo pana. Usipatie mutu sababu, kuna kitu na mungoji yako atakufanyizia. Patia ule mwenye unajua kwamba hakuna na siku ta mungoji yako kwamba atakurudishiaka isiwe kama vile nilikirimba. Na wala haumutegea kwa seme na ya kupake. Voilà. Sino kama unapatia kebe unajua kama nabwe un jour, kuna endelea na likirimba yako. Yo. Et il faut qu'il y ait la pitié. Na uwe na sikia huruma kwa watu wale. La pitié. Kuwa na huruma. Mon Dieu. Et Mungu wangu. Si je ne lui donne pas. Sasa nisipompa. Qui va lui donner? Nani mwingine atampa? Si je ne lui donne pas. Nisipomsaidia. Et qu'il passe nuit ventre creux. Afikie kulala njala kwake. Et Dieu voit que j'avais la farine dans la maison. Na Mungu aone kwamba mtu wake anaenda lala njala na bunga inawekewa nyumbani. Je n'aurai pas raison devant Dieu. Sitakuwa na haki mbele ya Mungu. C'est la pitié. Hiyo inakuwa ni huruma. Amen. Amina, amina. Dirigez. Kuongoza. Ne dirigez pas. Usi ongoze. Ne vous donnez pas le courage de diriger. Usiwe na juhudi ya kuongoza. Si vous ne savez pas là où vous allez amener les gens. Usipojua kwenye utafikisha watu. Vous devez avoir les objectifs. Amen. Unapaswa kuwa na shabaha. C'est ce que nous appelons la vision. Na yale njo unasikiaka inaitwa maono. Eh, likirimba likirimba mimi njo ndakuwa chef wenu. Yes. C'est pour que bakwe banalipa sangapi zipatikane sangapi, sangapi. Muzipane aye na mumalize na hakuna mwenye alikula za mwenzake. Mais unataka kuwa chef walikirimba juba kupeza kwanza? Njo binakuleta na haiko kubasaidia pour que batoke mu bumaskini. Oh, équipe de préparer la viande. Je voudrais être le premier pour préparer le mariage parce qu'après, il y a une salia tout à chana. Tunapeleka kwetu. Haiko niya pour que ndoa ikwe mzuri. Yendeke vizuri. Mupate vya kushana. Mungu baba. Na ba invite basitosheki. Écoutez. Musikie. Vous voulez diriger des groupes de gens. Ukitaka ongoza kundi za watu. Si vous ne savez pas où vous allez les amener. Usipojua. Kwenye utawafikisha. Et que vous ne savez pas comment y arriver. Na haujue namna ya kupafikia. Et vous n'êtes pas capable de le faire aussi. Na hauna uwezo na wewe ufanye kwa hiyo kazi. Laissez les autres le faire pour que toi aussi tu apprennes. Acha wengine waifanye kusudi na wewe uangalilie pale. Nitabavunja moyo. Ndio mzee. Kama uko kiongozi. Ndio. Na huko naambia watu wafanye vinye weye hauyaweza fanya. Ema. Ehe. Unakuwa wa kusema sema na makinywa. Komandema. Neba kikuambia na wewe ubifanye hauwezi biweza. Ehe. Ikala ufundishwe. Amene. Hauta naambia nipende bibi yangu na wewe bibi yako haumupendake. Ehe. Bana. Hauta nibeba mukamilifu yenye weye hauyakuwa nayo. Amina, amina. Hauta nambia tupige frite, frite na nyama za mariage na wakukupatia kimamio bitakulunguli yako. Tupigishe frite na unayua vile zinamaja. Kama zinamalizaka mchungu, kombie de minute. Ndiyo. Sinuta koko na chate binalungula wenjo batabiti yako. Ole uikalo, one babipige kwa nangali. Hey, 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 okay. Sibora tubi wezekane. Aha. Hey,
un dirigeant, celui qui veut conduire les autres, doivent savoir, il y amène les gens où, on doit les faire comment. Il est capable de faire ça aussi. Comme ça, quand il verra les gens faire ça mal, il sera capable de les corriger. Unafika turu ya kwanza, mchikundi, unapenda ukiongoze, reglement, hauijue. Hauijue kanuni. Kanuni, hauijue. Utaratibu, hauijue. Règlement d'ordre intérieur, hauya isomaka. Ndiyo. Manuel de procédure, hauijue. Ndiyo. Discipline, hauijue. Code de conduite, hauijue. Déontologie, hauijue. Code du travail, hauijue. Mina pendo na mimi niko chef de ressources humaines. Hauya isomaka même code du travail. Ata moja. Hauya même na congé banazikamataka aye. Ehe. Hauijue. Utaharibu. Unataka simamia ba comptable na machine hauiue. Ba comptable batakudame la. Ndiyo. Batapiga tu Excel kidogo, banatia mule mamwe na maplis na madivision. Unaona totale kule chini na yala. Me mule mumalinye mule, mushenda $4,000. Zinahomba banazikuulizi. Ndiyo. Unapasha kuwa capable kuikale kumashine mwambia, hii linye, ale, klike pale. Klike pale tuone mwaile nini. Okay, seprise mwaile, okay. Klike mule tuone, okay. Klike mule tuone mbo. Sustraye hii, sustraye. Total, mbona haidone $3,000. Explique moi ici. Je vais être le chef de comptable. Mais, Nyamaza ujifunze ukisha yuwa vya mwaile maison. Jutasema ndasimami ya hiki. Amina. Njuna kutana batu wanapewa maposte wana muramvuaye. Ndiyo. Anafukuzwa kazi. Tuko naongoza kanisa hapa, haukusanyikake, na unataka kuwa paste. Utaongoza kanisa ya kufanana ya nani? Yako unataka ifanane ya banani? Hey. Surepasha kulishauna banaihuria kaivi, banaongoza kaivi. Unapenda kimbilia muresponsabilite ya ye. Amina. Unataka kuwa marene na hauya tiwa na yako. Unapenda siku yenye umuya tamwanga makondi. Ndiyo. Kumugongo ya wana yake wanakuita asubuhi. Na wewe ile siku wakwako alikupiga. Utaenda hako. Utapana shauri gani? Oh, ma reine, ici j'ai un problème. Non, ma fille, je ne viens pas aussi, mon mari m'a battu la nuit. Tu es ma reine, tu dois être capable d'aller aider les jeunes couples à surmonter ce que toi tu as vaincu. Uki amua kusimamia ndoa, unapaswa kuwa na vitu vyenye ulishaka ishi ambavyo utasaidia ko yule wa kwanza bunyumba. Oui. Tu veux diriger la chorale? Unataka ongoza kwaya. Tu ne connais pas la différence entre soprano. Aujourd'hui, tu fais aussi quand tu as soprano. Si c'est ténor, si c'est alto, si c'est quoi? Ténor, si tu veux. Tu ne connais pas? Hauna habari. Chef de chorale. Nataka quand tu vas dire, tu dis c'est bien, mais l'autre dit non, 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 descendez. Mais tu ne connais rien. Aujourd'hui, habari kuhusu nyimbo sauti. Chef de chorale. Kiongozi wa kwaya. Gouverner, kuongoza, c'est savoir où on amène les gens. Ni kujua kwenye unapeleka watu. Si je n'ai pas un programme précis où j'amène l'église, kama sina mpango ya kweli ya kwenye ninabeba kanisa, la catégorie de prédication que je dois prêcher pour amener l'église à la perfection, mutindo wa mahubiri yenye nataka nihubiri ifikishe watu kukamilika, le type de ministre que je vais avoir dans l'église, comment ils doivent être, wahuduma ambalo nataka nione kanisani, comment leurs femmes doivent être, namna wake zao wanapaswa ishi, comment la sainteté doit plonger dans l'église, namna utakatifu utapenya kanisani. Je ne prends pas le pastorat, sita itikaniwe, je deviens serviteur, nitatumika na wengine, je triche. Je vois comment on fait. Les jours je ferai mes affaires, j'aurai une copie à imiter. Alléluia. Mais quand on vous dit, oh, on n'aime pas les gens. Munapoambiwa vya kufanya, munasema. Ah oui, j'ai sommé à kitabo cha mwenendo na maswali na majibu 1 à 2 ukimalize. Basi kwa banakuuliza maswali, utakuwa na majibu ya wapi? Tu n'as jamais lu question réponse 1 et 2.
Haujasoma mafundisho ya mjumbe kuhusu maswali na majibu. Sasa utakuwa mchungaji namna gani? Quand on te posera les mêmes questions, tu répondras quoi? Watakapokuswali yale yale maulizo, utawajibiaka nini? Les réponses sont là. Majibu ya tu n'as pas à créer. Hakuna vya kuunda unda. Tu vas commencer à créer tes choses. Ceux qui ont lu te diront, pasteur, non, ce n'est pas ça. J'ai lu telle bronchite, ce n'est pas ça, pasteur. Oh, banani piganisha mhudumu. Banani piganisha ye. Uliongoza venye bana yu akukushinda. Banani kubloke. Banani kubloke bien. Kisho nenda sema mapepo zimeshambulia kanisa. Ni mapepo wala wenjo zilianzi yamo. Weye njo ulileta mapepo. Ulitaka ongoza venye bana kushinda ujuzi. Ndiyo. Amina. Miséricorde. Kusamehe. Pardon. Kuhurumia watu. Vous avez besoin de la miséricorde. Je, una haja ya kusamehe. Il y a trois choses. Mambo ni matatu. La pitié. Kuwa na huruma. Et la gratitude que toi aussi tu étais pécheur, Dieu t'a pardonné. Kuelewa ya kwamba na wewe ulikuwaka mwenye zambi, Mungu akakuhurumia. Huko watu wakikalia mazambi za wengine, banakuwaka sawa babu habaya kosea. Ai. Il y a des gens, quand ils vous attrapent dans les péchés, c'est comme ils n'ont jamais péché. C'est pourquoi Jésus avait dit, il voulait développer la miséricorde. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter le caillou à cette femme. Il y a la pitié. Kuna huruma. Dire merci celui-ci, on ne le pardonne pas. Sema, asipo samehe watakuwa wanani. Il y pleure. Analia. On le jette alors, mais finalement. Wanamutupilia hawamujali. Il y a la gratitude de votre salut. Kuelewa neema ulipewa kwa kuokoka. Quatrième chose. Jambo la tatu. Être l'échelle pour les faibles. Amina. Kuwa mungazi. Kwa njia ya kusaidia wengine. Ninabambia kaifi. Ndiyo, ndiyo. Kuko batu hapa, hatunge kwa tulibavumilia muzaifu wenu kama hamkwake hapa. Kuko batu hapa bako trefor. Ni mwanzo yawe ilikuwa kili, 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 kili. Ndiyo. Tunabeba, nanguka, tunanyangula, tunatia kumgongo. Melewa nakaza. Ndiyo. Tungelibatupa kama balikufa zamani. Ndiyo, ndiyo. Kubali uwe mungazi wa kupandie eko, siku batakomala batasema, quand ils grandiront, ils diront, dans ma faiblesse, katika kuzaifuka, on m'avait supporté. Walinivumiliaka. Amen. Mais quand vous voulez, non, 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 parfait, 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 parfait. Mais toi, tu étais parfait. Wakati mtu alitenda kosa, tunaposema asame, unasema hapana, ni wakuazibiwa bwana. Wewe hauyatenda kazani. Kubali. Itika. Nakwambia hivi. Pour que ile kanisa liwe hivi. Ndiyo. Na pour que wamoja wawe chenye bako. Amen, amen. Naweza kuambia historia ya wengi hapa. Ndiyo, ndiyo. Hawakuwa hivi kumwanzo. Hawakuwa hivi kumwanzo. Hapana. Ilibidi wavumiliwe. Na wapendwe. Ndiyo, ndiyo. Mwile huruma mwaipitie njo muko amour. Nyo muna kwa upendo. Sasa ukisha kukosa upendo na huruma, unajikamata saa wewe ulitokaka mtumbo ya mama yako hakufanya kataka moya. Utaangusha vyote, utabakiaka huko mungazi yenye haina wa kuipandia yako. Fende fena utaangukaka. Amina, amina. Kurbonotet. Tuinamishe vichwa. Les gens de don venez rapidement ici. Watu wa karama muharikishe muje huku mbele. Nous voulons prier pour vous. Tunataka waombea. Amen, amen, amen. Venez ici. Muje hapa. Nous allons vous consacrer. Tuta waombea. Je vais prier une courte prière. Nitafanya maombi mafupi. Et nous dirons aux gens de ne pas trop sortir si ce n'est que pour aller aux toilettes. Hatutapenda watu watoke isipokwenda chooni. Nous voulons nous rassurer. Tunataka tuhakikishwe. Que nous consacrons ces gens ensemble. Yakuwa tutaombe awa watu sote pamoja. Sorry, sorry. Amen. Sawa.
Les ministres, vous venez aussi parce que vous faites partie de la chambre des dons. Les ministres qui viennent régulièrement. Les ministres qui viennent régulièrement dans la chambre des dons. Demandez ce frère ici, donnez-lui la place où s'asseoir. Merci, merci, merci. Les ministres qui venaient encadrer la chambre des dons. Come quickly also here. Venez ici avec nous. Nous allons vous consacrer, pas comme les ministres, mais comme les gens de la chambre des dons. Ne courbez pas vos têtes, regardez, que vous ne disiez pas, nous ne connaissons pas ces gens. Et je dis ceci, s'il y a quelqu'un de la chambre des dons, qui va se conduire mal, nous le suspendrons. Ce n'est pas le souhait, mais lakini, c'est l'ordre. Ni utaratibu. Si vous avez une ou un ikiwa kuna moja au wawili, parmi nos gens ici, miongoni mwa que vous savez qu'ils ont un comportement qui n'est pas bien, munaowajua kuwa wana mwenendo sio kwa mzuri, pardonnez-les. Commencez à les vérifier cette année. Parce que je n'ai pas reçu d'accusation de votre part contre ces gens. Si vous en aviez, que vous ne m'avez jamais dit, c'est vous. Mais personne n'est venu m'accuser pour m'accuser ces gens. Alors, vous avez des dons aussi. Vous avez des dons aussi. Si parmi ces 12 vous n'avez rien, allez demander un. Dieu vous donnera. Si on n'a jamais prié pour vous, pour le Saint-Esprit, allez demander que Dieu vous donne la préparation. Nous vous imposerons les mains pour le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amina, amina. Alors, Sasa. Vous allez vous agenouiller autour de l'autel. Deux Chroniques 15, 14. Pour ne pas vous fatiguer. Alléluia, alléluia. Je suis sûr que le Seigneur vous bénira. Deux 14, 15. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur. Deux Chroniques 15 et 12, papa. 15 et 12. Il y prit l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec le cri de joie. Amen. Et au son des trompettes et des cors. Okay. Très bien. Tunaweza soma mkiswahili. Wakafanya agano. Mm-hmm. Amina. Mm-hmm. Yakuwa watafute Bwana. Mm-hmm. Mungu wa baba zao. Mm-hmm. Kwa mioyo yao yote. Mm-hmm. Na roho zao zote. Amen, amen. Na yakuwa yeyote asiyetafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa. Ni mwanzo testament pana leo. Mm-hmm. Akiwa mdogo au mkubwa. 14. Wakalapa
Wakaapia Bwana kwa sauti kubwa na kelele na kwa tarumbeta na kwa baragumu. Tout Juda se réjouit de ce serment. Yuda wote wakafurahia katika kile kiapo. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Kwa sababu waliapa kwa moyo wao wote. Car ils avaient juré de tout leur plein gré. Et il l'avait trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tout na côté. Wakamtafuta kwa mapenzi ya oyote, naye ameonekana kwao, na Bwana akawapa utulivu pande zote. Amen. Amina, amina. Kanisa msimame, hawa wapige magoti. Mettez-vous debout. Église, levez-vous pendant que les gens des dons sont à genoux. Amen. Nous voulons les consacrer à l'Éternel. Tunataka waombea kwa Mungu. De vos propres bouches. Kwa vinywa vyenu wenyewe. Que chacun dise silencieusement, je prends l'engagement de chercher l'Éternel et de le servir dans la sainteté. Kila mtu aseme kwa upekee. Comme la Bible moyo dit. Moyo ya kwamba nitatumikia Mungu katika utakatifu na uwazi wa moyo. Alléluia. Amen, amen. Laissons voir notre joie. Nous qui aimons le Seigneur, rejoignons au chant et doux accord. Joignons au chant et doux accord. Et avironnons les trônes. Kanisa liombe na mimi niombe. Mukimaliza nitawabariki watu hawa. Na tutakuwa tunakaribia kumaliza tu.